C'est bon ? Oui. Bonjour Louise. Eh, bonjour Michel. Alors quoi de neuf pour ce mois de mars ? Ben, la pluie quoi. Ouais. Ben on va pas se laisser abattre par le mauvais temps quand même. Ouais, t'as raison. Bon. Et ben on attaque. Ouais, c'est parti. Bienvenue sur Télécanard. La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Coin-coin. Alors, bon, on s'est mis à l'intérieur hein, parce que la pluie, ça va 2 minutes. Mais on voulait vous parler de l'actualité de ce mois de mars à la bibliothèque. Et en mars, on va avoir l'occasion et l'immense honneur d'accueillir à la bibliothèque le très chouette festival L'Appel de la Lune, qui a pour objectif de réunir des personnalités artistiques, scientifiques et autres autour d'une thématique d'actualité et que ce soit traversé par des femmes. Cette édition, elle va être traversée, elle va être teintée de la grande thématique des femmes dans l'espace public, de la place des femmes dans l'espace public. Ouais, et du coup, nous, à la bibliothèque, on a décidé de décliner une bonne partie de nos animations autour de ce thème-là. On accueille le festival pour des animations spécifiques et on décline nos animations habituelles également dans cette direction. Et donc ça commencera le samedi 11 mars à 15h avec le ciné des habitants qui mettra à l'honneur un portrait de femme. On continuera le vendredi 17 mars à 19h avec une soirée jeux vidéo autour du thème du genre dans les jeux vidéo. Avec plein d'invités et ce sera hyper chouette, on vous mettra à contribution et vous pourrez jouer. Le samedi 18 mars, le lendemain, à 11h, ce sera donc Histoire et compagnie, notre moment de racontage d'histoire pour les enfants, et qui vous fera découvrir une sélection d'albums autour du thème Les filles et les garçons. On continue mercredi 22 mars avec la compagnie Association Rue de la Danse, qui nous offrira un spectacle pour la jeunesse intitulé Métamorphose d'une princesse. Et le samedi 25 mars à 11h, le Café de Louise, qui va cette fois-ci mettre à l'honneur les auteurs eux ou les autrices, suivant le terme qu'on choisit. Le mot autrice est parfaitement normal, il est parfaitement bien formé, il vient du latin. Le latin avait deux mots, auctor, autrix, et c'est un mot qu'on utilise et qu'on devrait utiliser s'il n'y avait pas eu la guerre qu'on lui a faite. Et voici les premiers académiciens. Chapelain qui lui-même utilise les mots écrivaine et autrice. Il n'y a rien de si dégoûtant, dit-il, que de s'ériger en écrivaine et entretenir pour cela seulement commerce avec les beaux esprits. Tout ce que vous dites sur les femmes autrices est admirable. Le samedi 25 mars à 15h15 aura lieu un spectacle tout public intitulé Duo à trois. Il y aura du violoncelle, ça va être très chouette. Ce sera suivi à 16h par la projection du court-métrage de vidéodance Citadelle de la compagnie Nawel Oulad en introduction d'un débat sur le thème « Face aux inégalités de genre, s'emparer de l'espace public » avec plein d'invités. Ouais. Donc en tout cas, vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on vient de vous donner et toutes les informations sur le festival L'Appel de la Lune sur le site L'Appel de la Lune. On mettra un lien par ici ou dans la description. Mais aussi sur un article du blog de la bibliothèque. Pareil, il y aura un lien par-ci par-là ou en bas, juste en dessous. Pour le reste, bah, vous retrouvez toutes les animations habituelles dans la newsletter, sur les réseaux sociaux, etc. Pareil, il y aura un petit lien pour s'abonner, tout ça, dans la description, comme d'habitude. On vous laisse là pour aujourd'hui. Ouais, exactement. On vous retrouve pour la prochaine fois, avec peut-être un peu moins à l'arrache, mais en tout cas, on était très heureux de vous voir aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que... Le sexisme, je pense qu'il n'a pas lieu dans le langage directement, manifestement, mais c'est plus dans la relation sociale, dans le travail. Ah,